La gestion efficace de la dette publique et le rôle des commissions des finances et des comptes publics en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette rencontre destinée à poursuivre la promotion de la bonne gouvernance dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. À travers le partage de connaissances et d'expériences, les participants devront solutionner le défaut de transparence dans la gestion des finances publiques dans leurs pays respectifs. Avec la survenance de la guerre en Ukraine en 2022, les économies des pays africains sont davantage mises à rude épreuve et de nombreuses études ont rapporté une flambée des emprunts publics depuis lors. Pourtant, la viabilité de la dette dans la plupart de ces États est plombée par un défaut de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette situation interpelle non seulement tous les gouvernements en charge de la mise en œuvre des politiques publiques, mais également les parlements, institutions de contre-pouvoir appelées à contrôler l'action publique dans un souci de clarté, de transparence et de performance. C'est pour la première fois que le Bénin accueille cette rencontre depuis son adhésion à l'association en 2012. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'institution, cela honore le pays. Au terme de 5 jours de travaux, les parlementaires et autres cadres venus des pays membres du WAPAC auront à se familiariser à un certain nombre de concepts pour l'atteinte des objectifs. En petit 1, la dette publique et son importance pour les économies nationales en ce qui concerne notamment le budget et le besoin de financement, l'importance du recours à l'endettement et les risques qui sont liés. Petit 2, la transparence de la dette et la qualité des données. En petit 3, la surveillance de la dette par le biais des cycles budgétaires, notamment l'adoption du budget et le besoin de financement, la stratégie d'endettement, le suivi de la mise en œuvre et la reddition naturellement des comptes. Petit 4 enfin, le rôle des agences de gestion de la dette à travers le cadre institutionnel, les actions du front office, du middle office et du back office. La 9e conférence du WAPAC, l'Assemblée générale et la formation des assistants des commissions des finances des pays membres de l'association sont les 3 temps forts qui vont meubler les travaux.